dans les sous. Et donc, salut à tous, ici Monsieur Flash, et on se retrouve aujourd'hui sur un très très vieux jeu, Sam Pyjam, héros de la nuit, c'est-à-dire Sam Pyjam 1. Et je vais balancer tout de suite l'histoire que je viens de skipper. Hop. Dans les sous-sols obscurs d'une ancienne centrale électrique, un sinistre projet va bientôt être mis à exécution. Ha ha, l'heure est venue de mettre à exécution mon sinistre projet. Cette manette déclenchera mon générateur d'obscurité qui plongera à jamais le monde entier dans les ténèbres. Pas si vite, obscur. Quoi ? Pyjaman, lui-même. Et moi aussi, j'ai quelques gadgets. Prends ça ! Ah non, pas l'Illuminator 5 ! Il y a au moins 20 piles de 3 volts là-dedans. As-tu une dernière chose à dire avant que mon neutraliseur de méchant portable ne t'avale définitivement ? Bon, il faudrait peut-être que je trouve le reste de mes affaires. Donc voilà, nous avons le scénario. Pyjaman est un super-héros, obscur, un super méchant. Et nous contrôlons donc Sam, qui, lui, se prend pour Sam Pyjam. Hop, donc c'est un jeu édité par Humongous Entertainment, je crois. Dans les mêmes types de jeux, il y a James Renard, Pousse Pousse et Marine que l'on voit ici. Attendez, hop, Marine... Eh hey oui, tout à l'heure. Marine Malice, voilà. Et Lucien, je crois son pote, je suis pas sûr. Bon, c'est pas grave. Donc nous devons retrouver son masque de Sam Pyjam qui généralement se retrouve là-dessous. Non. Le jeu a une petite dose d'aléatoire, c'est-à-dire la partie juste précédente, il y avait le masque caché là-dedans. Après il y a quoi dedans? Que des trucs à jeter. Merde. Sous le lit. Non, mais tais-toi. Sous le lit. La boîte à pique-nique Pyjaman édition limitée en métal anti-choc. Enfin, je veux dire, mon neutraliseur de méchant portable. J'enfermerai Obscur dedans dès que je l'aurai capturé. Hop. Il faut encore que je trouve mon masque et ma... C'est ton masque et ta lampe torche. Hop. Ah, ma super... On a la lampe torche. Où est-ce que peut être le masque? Hop là. Ok. Ok. C'est Pyjaman. C'est mon héros. Voilà. Donc l'environnement est vraiment très interactif. Hein. On peut cliquer presque avec n'importe quoi. Je ne peux pas aller chercher papa et maman. Je dois me débrouiller tout seul. Où est-ce que... Ah, le deuxième tiroir, j'avais prévu. Les vieilles chaussettes. Non, bon. Voir. Merde, ça peut être où? Sam. Allez. Et voici Lulu. Non, c'est déjà lu. Rien de bon. Ah, bah, sous le tapis, fallait y penser. Voilà mon masque de Sam Pyjam. Qu'est-ce qu'il fait sous le tapis? Bon, c'est parti, nous partons. En route pour l'aventure. En route pour l'aventure. Mon garçon. Hop. Pyjam à Sam. Regarde, obscur. Voilà Sam Pyjam. Oh, et il y a quelqu'un? Oui, par contre, le jeu est en 4 tiers. Hein. Qui a des bandes noires sur les côtés, c'est tout à fait normal. Sorti en 1996 quand même le jeu. Wow yeah. Oh, poum, tombe. Wow. Bon après, c'est un jeu, dès qu'on a plusieurs échappes, ça skip tous les trucs, donc logiquement je pourrais même le faire en speedrun. Je crois qu'il existe des speedruns du jeu en plus. Ok, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, on va aller vers la droite. Je vais skipper les animations comme ça, un petit peu trop... Là, on va essayer de récupérer. Et un peu point. Tout à fait normal. Ouh, attendez. Non, merde. Ah, bah j'ai skippé un truc. Je suis attaché. Je me demande ce que Pyjaman fait. Chut. Alors, je vais expliquer comme un con, j'ai skippé ça alors que parce que je voulais revenir en arrière. On s'est fait prendre dans un piège et les arbres que l'on voit derrière, là, ici, là, les arbres comme ça, ce sont la douane. Et ils nous ont pris donc toutes nos affaires. Hop, on va se débarrasser de ça. Voilà. Faut que je laisse les commentaires quand même. Hein. Merci. Je suis désolée que tu aies perdu toutes tes affaires. Je vais jamais pouvoir capturer Obscur si j'ai pas mes affaires. Tu sais, je suis sûre que tes affaires se trouvent quelque part dans le domaine d'Obscur. En cherchant bien,
Tu les retrouveras toutes. J'espère bien. Et après, je vous rapporterai votre corde. Bonne chance. Hop, alors voilà ce que je voulais chercher, les chaussettes. Maman m'a dit de les ramasser. C'est là que je dois ranger toutes les chaussettes que je trouve dans le domaine d'Obscur. Voilà, ça, c'est un petit peu des objets cachés, c'est pour ça que j'en avais trouvé une ici. Une autre chaussette! Il faut que je les range par paire. On dirait... C'est bon, on n'est pas non plus complètement con. Par contre, là, il n'y a rien à faire. Non, c'est bon. Alors, hop, on descend pour avoir l'inventaire, hein, comme les vieux jeux point and click. Et on récupère cette planche. Ah bah, j'ai perdu la corde. Je pourrais pas la rendre, mais c'est pas grave. Oh oh. Pourvu que ce gentil arbre ne m'en veuille pas trop d'avoir perdu sa corde. En tout cas, j'ai un super bout de bois. Bim, maintenant on a un bout de bois. Madame, votre corde là, je l'ai perdue. La corde? C'est pas grave, je devrais pouvoir m'en procurer une autre. Vous n'êtes pas fâchée? Non, au contraire. Je suis plutôt soulagée de ne pas avoir à la tenir toute la journée. Et alors un arbre qui se plaint d'une corde alors que bon il a des tasses quand même sur soi. Alors maintenant nous avons la maison d'Obscur en face, les quais à droite et la mine à gauche. On va d'abord aller sur les quais. Bon jusque là je sais ce qu'il faut faire à peu près, hein. j'ai eu le jeu, enfin j'ai joué à la démo de ce jeu. Ouais normalement ici, elle est ici la planche. Même s'il faut pas que je la mette là en fait la planche. Si c'est là qu'il fallait que je la mette. C'est pour ça qu'elle l'était. Qu'est-ce que tu viens de jeter dans l'eau? Un vieux bout de bois, pourquoi? Ça flotte. Le bois flotte sur l'eau. Évidemment, tu le savais pas? Tu sais, c'est cet ami qui m'avait raconté que quelqu'un qu'il connaissait et qui était en bois avait coulé. Hein? J'ai complètement oublié. Jusqu'ici, tout va bien. Bon, je me jette à l'eau. J'ai réussi! Oh, je flotte! Waouh! Yo! Bateau qui a peur de. Génial! C'est vraiment super! Je m'appelle Otto. Je te dépose quelque part. Otto, merci, le bateau. Otto. Moi, c'est Sam. Ravi de te rencontrer, Sam. Allez, monte! Je vais pas y aller tout de suite. Désolé. Hop, on va aller là-bas. Qu'est-ce qu'il a besoin de lui? Ah, bah, il a besoin d'huile. Oh, bah, j'ai récupéré une chaussette. Hop, bah. Il a besoin d'huile, le pauvre. Ses roues sont tout engraissées. On va pas lui parler, hein. Des dialogues inutiles. Hein. Hop, on va aller là-bas. Bon, on va aller là-bas. Oh, on peut aller ailleurs. Vas-y, emmène-moi au tôt le bateau. Quelle idée est-ce qu'il faut que je fasse ici? Je crois pas que cet endroit faisait partie de la démo. Là-bas, y'a quoi? Ah, je me souviens de celui-là. Je sais pas pourquoi il veut pas ouvrir la porte. On verra plus tard. Ah, bah tiens. Oui, ça faisait bien partie de la démo alors. C'est lui. Une burette d'huile. Et il y a encore un peu d'huile dedans. Ça va me servir. Je ne peux pas ouvrir cette porte, elle n'a pas de poignée. Tu peux monter sur la fenêtre? Eh, hey, c'est ma lampe torche. Ma lampe torche est ici. Qu'est-ce qu'elle foutrait là? Je peux rien faire donc. Bim, il y a la même chose dans tout ce pouce, je crois. Quelques. Juste après, il y a des rapides aussi, je pense. Bim. Regardez, on a retrouvé le truc portatif. Ma boîte à pique-nique Pyjaman édition limitée en métal anti-choc. C'est ça que je cherchais. Ouais, j'en aurais besoin pour enfermer Obscur quand je l'aurais capturé. C'est mon neutraliseur de méchant portable, le même que Pyjaman. Ah, je vois. Oui, il y a la mine qui passe par dessus. Zut, j'arrive pas à l'attraper. J'espère qu'on m'entend bien quand même par rapport au truc. Bon, on va aller par là, on trouvera un truc plus tard. C'est un jeu pour enfants, il n'y a pas de. Ça va se finir facile, j'ai envie de dire. Ouais, je me souviens pas de ça dans le jeu. Je sais très bien où on va ressortir. Évident. Hop, on va repartir par là, on va aller voir par là, y'a quoi?
Oh, je pense me souvenir, j'avais vu ça en image quelque part. Ah, bah c'est la douane ça. Ah non, c'est pas la douane. Bonne journée, cher homme. Ah bah oui. Je me demande ce qu'il y a là-dedans par contre. Bon, on va récupérer ça. On dirait mon masque de Sam Pijam. Ce masque appartient au peuple. Peuple? C'est pourtant bien mon masque. La propriété, c'est du bol, vieux. De toute façon, j'ai besoin du masque pour protéger mon identité. Je suis le chef du Front de Libération des Légumes. Le quoi? Le communiste. Le Front de Libération des Légumes. Nous sommes un groupe de légumes en lutte contre le système culinaire. On en a assez d'être relégués au rang d'accompagnement. On veut devenir un plat principal. Ok, ok. Je veux juste récupérer mon masque. Écoute, les autres carottes sont enfermées dans le réfrigérateur de la cuisine d'Obscur. Si tu m'aides à libérer les carottes, je te rendrai le masque. D'accord, marché conclu. Génial! Je t'accompagne à la cuisine, comme ça je pourrai diriger les opérations. Ça marche! Hop, c'est parfait. Hé, des pièces! Je voudrais qu'ici l'herbe soit plus verte. Pourquoi vous faites un vœu? C'est moi qui ai jeté la pièce, non? Le puits des vœux, c'est toi ou c'est moi? Ah. Pas faux, pas faux. Ou encore des chaussettes. Je m'appelle Sam. Tu peux m'appeler Spromojok. Pourquoi avez-vous pêché un nom pareil? Je n'ai jamais dit que c'était mon nom. Mais tu peux m'appeler comme ça si ça te chante. Oh, merci. Complètement déprimé, ce pauvre... Je vais mettre mon masque de Sam Pijam, capturer Obscur avec ma lampe torche, et puis je l'enfermerai dans ma boîte à pique-nique. D'accord. Ah, la carotte, elle est avec nous en plus. Génial. Le Front de Libération des Carottes. Je voudrais une pièce. Oh, juste ciel. Comment je me casse ici? Par là. Bon, on est reparti. Hop, on sait maintenant ce qu'il y a. On va rentrer et on est bon pour aller voir la mine. Mais oui, ami. Bon, allez, hop. On va lui mettre de l'huile sur ses roues, le pauvre. C'est tout ce que l'huile désintègre la rouille. Maintenant, fais les roues arrière. Oui. Il va y faire un petit tour. Je trouvais ça trop fun quand j'étais gosse, truc de fou. Encore, merde! Et c'est parti! Oh, je voulais trop faire un truc comme ça quand j'étais quoi, ceci? C'était là. Faut savoir que le jeu, il a 18 ans, comme moi. Mais moi, j'y jouais quand j'avais quel âge? 4, 5 ans? Par là, je suppose. J'ai plus d'âge exact. Il a l'air d'avoir un truc ici. L'aléatoire du jeu fait que ah bah tiens, une deuxième chaussette. L'aléatoire du jeu fait que peut-être que dans une autre partie, l'objet sera ici. Qu'est-il derrière cette porte? Ne te fatigue pas, petit! C'est une porte à sens unique! Ok. Wow, wow, wow! Pas venir en arrière. Pioche! Je sais pas à quoi ça va me servir, mais. Alors, de là ou par là? On va d'abord voir s'il y a quoi par là. Ok. Bon, on va être attiré par ce piège. Enfin, ça me semble de la piège. Gauche, gauche, gauche. Faut que je choisisse vite. Oh merde, j'ai. Ouais, parce que si je choisis pas, le jeu va s'en charger pour moi. Génial! Ah, c'est super! Hey, vous avez vu ça? Waouh! Hey, j'ai trouvé une chaussette! C'est bien de le remarquer aussi, une minute après. Vu que la pioche, on l'a récupérée, on va pouvoir miner de l'or. Génial! Comme Minecraft! Oui! Ah, chier. Ah, bon, moi j'ai de l'or. Ouais, mais vous avez vu tout l'or que j'ai ramassé? Puisque tu es très riche maintenant, on pourrait partager. Dis, tu m'en donnes une petite? Marché conclu. Ça sert à quoi? Ta putain de carte. On peut pas repasser par là. Là j'avais pas le choix du chemin.
Ah ok. Bon, on va repartir par là, on va aller dans la direction. Ouais, on est sur la table. Oh, je suis perdu. Ouais. L'animation très bien faite. On est déjà passé par ici tout à l'heure. Oui, d'accord. Ce n'est pas grand chose. On va tester un autre chemin. Gauche. Hop, par là. Voilà, hey, j'ai trouvé. Putain, le mec. Regarde celle-là. Bon, le jeu il me prévient quand je fais des conneries, c'est bien. Hop, hop. On va repartir par là. J'avais vu une chaussette par là. C'est bon. Hey, j'ai trouvé. Non, le jeu qui me prévient quand je fais des conneries, c'est pas mal ça. Bon, bah, on est reparti par là. Voilà. Alors, bah, il nous reste que la maison d'obscur pour l'instant à aller voir, mais je pense qu'on va être bloqué. Ah bah non, on va pas être bloqué, c'est bon. La boîte aux lettres d'obscur. Hein. Quoi de... Ah oui, c'est vrai, ça parle. Non ah oui, un courrier du balai. Avec la boîte du balai. Oh, ça, c'est carrément lourd. Tu le remets à sa place. À mon avis, ces paniers permettent de monter chez Ob... Narmol. Je parie que je pèse plus lourd qu'une seule de ces pierres. Waouh, perspicace, mon jeune garçon. Ouais, plus fort que la physique, hein, regarde, les cailloux bondissent tout seuls. Vous allez me dire, comment il fait pour la... Oh, non. Hop. C'est violent quand même comme ascenseur. Donc on a la cuisine, la salle de danse et l'étage. Alors là par contre je sais pas trop si... Je passe oh mon dieu ça danse. Casserole, autant que j'ai le bon rôle. J'espère qu'il n'y a pas de droit d'auteur sur sa musique. Mon job à moi c'est de mouliner, mais mon cerveau y est passé. Ok, j'arrive même plus, je peux pas passer leur danse de merde. Chacun de vous ira dans le ragoût, salut à vous, vous me manquerez beaucoup. Cliquez sur tout, hein, moi ça sera fait. C'est un truc qui va se déclencher. C'est bien assaisonné, obscur aime les plats relevés. Je me dis, c'est recherché tout ça. Hein. La soif d'obscur, c'est ma terreur. Il boit tellement, ça me fait peur. Ouais, bon, comment tu peux avoir peur alors que c'est même pas toi qui bois. Non, je ne te laisserai pas libérer. On appelle ça un monde plat, je crois. Je descends. La grande salle verre. Ok. Je vais faire quoi maintenant? Ça va peut-être danser, s'il te plaît, le frigo là. Sur le monde plat, mais ça a rien changé. On appelle ça un monde plat. Je parie que je peux rentrer là-dedans. Cette solution, nous l'avouons, est tout à fait hors de question. Ça descend. Ok, d'accord. Le monde plat en lui-même, c'était la tête qu'on a vue. J'ai pas compris ça tout de suite. What the fuck? J'ai bien vu ce que j'ai vu. Oh, mais encore. J'avais vu une chaussette. Seule chose que j'avais vue. Je viens de remarquer que. Vous voyez ici, la famille d'obscur. Là, il y a un truc. Tu vas peut-être te gratter. Pourquoi vous ne bougez plus? Ouh. Je vous ai vu danser. Badaboum, bamboum, badaboum, badaboum, badaboum. On va se casser. Ça va, je le vois plus. Bon, bah on va monter. Il y a un ascenseur. Bonjour. Bonjour et bienvenue
aux chatouilles méninges. Le jeu génial, qui remue vos méninges. En fait, je voulais juste passer. Ça devrait pouvoir s'arranger, n'est-ce pas, Coco? Tout à fait, Rico. Mais avant cela, notre candidat va devoir répondre à quelques questions. Car, comme vous le savez, personne, je dis bien personne, ne passe les portes du savoir sans jouer au chatouille-ménage. Moi, j'ai bien joué, hein. Et maintenant, nous allons vous présenter notre premier candidat. Dites-nous tout, quel est votre nom? Sam. Je vous présente Sam, qui nous vient de... Passons, peu importe. Il se passionne pour le parachutisme ascensionnel, le spiritisme et la philatélie. Je ne suis pas philatéliste, n'importe quoi. Et il va jouer aujourd'hui pour accéder au... De toute façon, là, je ne savais pas ce que j'étais philatéliste. Hein. Nous lui proposons quatre catégories de questions. Pour gagner, il devra répondre correctement à une question de chaque catégorie. Et nous savons tous ce que cela signifie, n'est-ce pas, Coco? En place, Sam. Et choisissez la première catégorie. Nos catégories aujourd'hui sont héros de BD, personnages célèbres, fruits et le domaine d'obscur. Héros de BD? J'ai choisi héros de BD. Très bien. Voici la question suivante. Qui est le plus fort des super-héros de bande dessinée? Oh, c'est plutôt dur, là. La réponse D, Jean-Pierre. C'est tout à fait juste. Wow. Je pouvais me tromper. Allez donc. Et une catégorie de gagné. Il vous en reste 3. Mais ouais. C'est qu'il est fort. Et maintenant, passons à une autre catégorie. Passons, alors. Personnage célèbre. Les personnages célèbres. Très bien. Qui a dit... Voici la question suivante. Qu'a dit le jeune roi François II lorsque ses conseillers lui demandèrent ce qu'il devait faire pour régler le problème de la pauvreté en France? Hein? Oui, c'est tout à fait exact, bien qu'il ne l'ait pas dit exactement en ces termes. Très fort. J'ai même eu un temps de réflexion. Allez, les fruits. Les fruits. Très bien. Voici la question suivante. Quelle est la couleur de l'orange? Bleu. Orange. C'est exact. Bon, t'es un petit peu enfantin, quoi. Très bien. Qu'indique le compteur d'eau dans les mines? Qu'indique le compteur d'eau dans les mines près de la maison d'Obscur? Je peux retenter ma chance. On peut faire une... Je vais devoir aller, hop, on sait maintenant ce qu'on va faire. Oh, une chaussette. Encore une. Les compteurs d'eau, ils sont où les compteurs d'eau? C'est pas là. Là. Dites, Durail, c'est quoi ce truc? C'est le compteur d'eau. 112. 112. C'est parti. On rentre chez Obscur. Et on va la gagner. Nous, quatre... Je ferai... 112. 112. C'est tout à fait ça. Moi, y'a quoi dedans? What the fuck? Say... Au moins, on a une poignée de porte. Ah bah oui, je sais à quoi on a ça. Écoute un peu ça. Je battrais la mesure si j'avais des bras, des bras sous la main. Ça alors. Le crash. Il a pas apprécié la musique plus la chaussette. Que s'est-il passé? Sam Pijam va-t-il survivre? Wouah, le crash. Hop, je vous remets ça tout de suite. Ah bah oui, mais sauvegarde, ça va, non? D'hiver, la sauvegarde, ça vient toutes les 5 minutes, bah oui. C'est où la sauvegarde? Je dois recommencer, dis-moi pas que je dois recommencer. Sauvegarde défaut. Il n'y a pas de sauvegarde là-dedans. Ok, bon. Faire autrement. On va refaire ça hyper rapidement. Hey. Une chaussette.
Voilà, c'est parti. On va se la speedrunner celle-là. Hop. Et tout ce qu'on a fait en 30 secondes. Là c'était pas bon. Là, hop, hop. Dans la carotte. Je peux pas. Il faut que j'aille chercher. Ah chier, c'était pas la même chose la dernière fois. Le jeu devient totalement différent. Pas moyen que genre que je trouve un bouton pour sauvegarder par contre. Ah mais si le jeu est totalement différent, on vient de perdre un temps fou juste pour rien. Beaucoup de temps. Ok, on a la lampe torche. Ok, bon, on sait déjà à peu près où se situe. Là, on n'a plus rien à foutre ici. Je parie. J'arrive de l'autre côté donc. Comment je peux arriver de l'autre côté après? J'ai aucune idée moi. Bon, le jeu reste globalement la même chose. Tac. Tac. Bon, ici on avait dit qu'on pouvait rien faire. On a vu. On remonte. Je tente les verres. Très bien. Voici la question suivante. Quel est le verre favori des mammifères? Ok. Le verre. Je prends. Hein? Je prends. Toi, c'est le plus rapide, le guépard. Je choisis. J'ai oublié de faire ça, oui, je suis con moi. On peut faire une. On va te rattraper le jeu, je pense. J'avais ça tellement sur... ça me dégoûte, hein, je vous le cache pas. Hop. Je m'app. Ta gueule. Hop, c'est parti. Y'a rien ici, non, hop. 236. 7. Porte à sens unique. Prendre ça. On le laisse faire tout seul, ça fait n'importe quoi. Voilà, hop. Tu vas miner tout ça, mon grand. Voilà. On a fini, on repart. Hop, on remonte. Nos catégories. Je joue très bien. 200. J'espère que cette fois-ci, ça me lâche pas le jeu. Aller dans cette salle derrière d'avoir rien d'avoir d'intéressant. Ok, je vais juste aller là. Tola, fichier. Voilà. Rien de spécial là. Bon, on peut partir là-haut. Chambre d'obscur. Ah bah pousse pousse. Alors, il ne faut pas déjà... Ah, le frigo. Ouvrez la porte, je vous prie, car j'amène une autre victime. Non, je ne me rendrai jamais, mais attends, ah, je vois. Vous avez capturé enfin la carotte redoutable. Je vous ouvre ma porte, mettez-moi donc ce vaurien au frais. J'allais dire, mettez-moi donc cette carotte. Cette fois, on est bon pour la flotte. Le chef attrapé. Le carotte attrapé. Carotte. Mika, c'est un copain à moi, vous êtes libre de partir. Mika, mais oui. Il va être mangé comme un plat principal, mais en fait, là, il mange la bonne. Mon masque, sac à merde. Maintenant, on sait où on doit aller là-bas. Hop, hop. On est à peu près au même niveau où on était dans le jeu. Hein. Voilà, on va pouvoir reprendre normalement. Cette poignée devrait faire la paix. Voilà, on
On peut rentrer. Impossible d'ouvrir la porte, les gonds sont rouillés. Oh, comme par hasard. Ces gonds ont l'air rouillés. Je ferais mieux de les huiler. Bim. Ça marche. Bien sûr. Allez. Ma lampe torche. Il est trop petit. C'est trop. Putain, mais sérieusement. Il est vie de merde, tu sais. Bon, on a le masque et ça, il nous reste. Oh, ça fait mal. Je vais peut-être rajouter quelque chose. Ça là, non. Ok, bon. Alors maintenant, il nous reste que. Faut que j'aille dans le puits. Ça, c'est plutôt gênant. Je ne sais pas comment aller dedans ce truc. C'est une grosse pépite d'or. Je sais que c'est une grosse pépite d'or. C'est en train de réfléchir, Pyjaman. Enfin, Pyjama Sam. Et il veut quoi lui là-bas là? Pourquoi faut-il payer un droit de passage pour traverser le pont? Pour aller de l'autre côté, quelle question. Le règlement, c'est le règlement. Tu cherches les embrouilles. Tu cherches les embrouilles, mon garçon. Tiens. Et voilà. Ce jeu est tellement facile. Une livre. Ok. T'es réglo. Tu peux passer. Je demande juste à quoi ça servira de l'or à un pont. Faut que je gagne Averti. Au morpion, je crois. Très bien, et vous? Non, non, j'ai dit Averti, fromage et crackers. Tu connais ce jeu? Eh, ça ressemble. Morpion. À moi maintenant. Waouh! Plus fort que le Roquefort! À moi maintenant. J'ai gagné. À toi de jouer. Mince, j'ai gagné. La pluie. Ça veut dire quoi le mot que vous avez dit tout à l'heure? Averti, c'est ce qu'on dit quand on essaye d'en. Mais je ne le sais pas. À moi maintenant. Tu l'avais pas vu venir, hein? Tu fermes ta. Tu l'avais pas vu venir, hein? Je joue mieux, à là. À moi maintenant. J'ai perdu, on l'a fait. Faut éviter. Que. À moi maintenant. À moi maintenant. C'était 4 d'alignés. Ah, oui, et je commence. À moi maintenant. Gagné. Et ce. À toi de. À moi maintenant. À moi maintenant. Je fais n'importe quoi. À toi de jouer. On s'ennuie ici. À moi maintenant. Ferme ta gueule, laisse-moi gagner. Bon, c'est pas grave. Ça ne m'apporte rien, en fait, ici. Je suis sûr que je vais gagner celui-là. À moi maintenant. À moi maintenant. À toi de jouer. À moi maintenant. Je parie que tu te crois fort. Chut. Gagné. Maintenant, je peux manger le fromage? Non. C'est tout? Averti. Provolone, essaye d'en aligner 3. Je commence. À toi de jouer. Faut que j'y. Rien à lui donner à lui. De l'huile? Non, ça m'étonnerait. Halte là! Ça me servait strictement à que dalle. Comment je peux aller là-bas? Question? J'ai oublié une chaussette. Tiens, ce serait pas une des chaussettes de mon grand frère, vu l'odeur. Hop. Y'a rien que je peux faire ici normalement. C'est genre. Merde, bon, on va voir ça se passe quand même. Oh, j'ai des tas d'amis chez. Je me. Comment va-t-on faire? Où? Où? On peut passer les ronces. C'est ma boîte, je.
Je ferai... Merci. Je me sens bloqué. Ça m'aide pas, ça. On a passé 35 minutes déjà dessus. Madame, tiens, comment vas-tu? Voilà. Et ici, il faudrait juste un truc pour passer les ronces. Ah non, il faut que je puisse arriver de l'autre côté du... Ah bah je sais. Enfin, je pense savoir. Je sais pas d'où ça vient. Merci, ce que je pense, c'est bon. On ne peut pas être inutile. On va passer par là tout à l'heure, si je pense. Terminal d'extraction à distance. C'est un terminal d'extraction à distance. Et c'est drôle. Qu'est-ce que c'est? Pour moi, ça a l'air d'un jeu. Le but, c'est de ramasser des pépites et d'éviter des obstacles, y compris toi-même. Fais attention aux éboulis et à la lave. Pépites. C'était pas tête il y a 30 secondes. Oh. Ok, ça sent le snake à 3 km ce truc. On va voir ça tout de suite. Snake. C'est tout. Ah, ce jeu est recherché. Attention. Alerte enfant de 3 ans. Fini, bon. On a fini avec le Ted. Non, je l'avais. Hey, j'ai trouvé une chaussette. J'ai trouvé une chaussette. Bon, alors. Où est-ce qu'on va bien pouvoir aller? Allez, au revoir. On va réfléchir. Peut-être louper quelque chose. Hey, qui permettrait de passer. Pourquoi vous ne bougez? Faites comme si j'ai... Ah, une animation. D'après ce réveil, il est 5h15. Waouh. Comment apprendre à lire l'heure? Je devrais peut-être remettre la musique. Apparemment, c'est pas la solution. Pourquoi vous avez arrêté de danser? Vous sentez pas... D'abord, mais... Je sens mauvais ou quoi? Faites comme si j'ai... Il doit y avoir un truc avec cette salle, hein. La salle est inutile à ce point. On appelle ça un mont plat. Quoi, c'est hors de question. Je le... Je ne peux pas entendre. Il y a un truc ici. Oh, j'en perds mon solfège. Rien, je peux pas les atteindre. Je parie que ça pourrait servir à Otto. On a une belle vue d'ici. Que donc? Décidément, elles sont trop loin. Écoute, si tu grimpes sur moi, tu arriveras peut-être à attraper les rames. Ah bah oui, je sais à quoi serviraient les rames. Ah, il fallait que je réfléchisse. Décidément, elles sont trop loin. Fais attention, tu vas... Il faut que je me balance un peu plus. Moi, fais attention, tu vas casser quelque chose. Encore un peu plus haut. Je monte. Ah d'accord, en vrai.
Les jeux, faut juste que je clique sur la rame. Allez. Faut pas que le jeu. Et cette salle sale me fait peur parce que j'ai peur que je crache. Mais bon. Adieu les nazes. Allez viens Otto, on y va. Je vais y aller Otto. Et je vais attendre et je. Pouvoir aller voir le grand et le méchant obscur. Avec ça, on pourra peut-être. Dis-moi Otto, tu crois que tu peux nous amener près du. Prends garde, obscur. Eh des. Moi c'est fini, hop, on va aller tout de suite voir la maison d'obscur. Hop, je zappe tout ce qu'on a déjà vu. Et on va je vais attendre un. Okay, bon. Cette fois ça y est, c'est le moment ou jamais. Et c'est même pas la démo, il va me dire, va te faire foutre. Je suis prêt. Chambre d'obscur. C'est moi, Sam Pidjam. Je suis venu te terrasser. Coucou, obscur. Le placard. Il est dans le placard. Dans le placard. Je croyais que j'avais pas vu la clé. Ha ha, ça doit être là. C'est bon, ça y est. Prends garde, obscur. Voilà Sam Pidjam. Merci Sam Pidjam. C'est moi, Sam Pidjam. Je suis venu te terrasser. Me terrasser? Et c'est marrant. Je vais te capturer et t'enfermer dans ma boîte à pique-nique Pidjaman édition limitée. Il a le chocolat. Énorme. Ah bon? Mais ça ne m'a pas l'air marrant du tout. Pourquoi veux-tu m'enfermer dans une boîte? C'est ça, j'aurais plus peur de toi. La peur? C'est moi qui serai enfermé dans la boîte. Oh non. Personne ne vient jouer avec moi. Jouer? Tu aimes ça? Oui, mais je ne trouve jamais personne pour jouer avec moi. La nuit où je sors, tout le monde dort. Tu veux dire que tu n'as pas d'amis? Eh bien... Non. Moi, j'aime bien jouer. C'est vrai? Tu aimes jouer à fromage et cracker? Si j'aime, j'y ai joué avec un grippin dans le parc. C'est super! Ouh, bien. Il nous faut juste quelques crackers et de bons fromages. Bien joué! Pas bien joué, la partie est finie. Ah ouais? Ah non. Et vous savez quoi? J'ai battu Obscur. Oh, je ne l'avais pas vu celui-là. Tu as gagné. Tu es très fort, Sam. Merci, j'adore ce jeu. Mais il vaut mieux que je rentre. Maman risque de s'inquiéter. D'accord. Parce que on ça pourrait peut-être faire une autre partie demain soir. D'accord. D'accord, tout à fait normal. Oui, oui, maman. Bonne nuit. Bonne nuit, très normal. Narmol, narmol. Ah, j'ai plus perdu noir maintenant. Bonne nuit, obscur. Il avait pas l'air méchant, hein, sur les photos. Et voici la fin de Sam Pidjam, héros de la nuit. Que j'ai dû recommencer en vitesse à partir du moment, je suis désolé, hein. En plus, il n'y a même pas de sauvegarde. Ce genre de jeu, tu le fais en une fois. Hop, stop. Et donc, salut à tous. C'était Monsieur Flash pour Sam Pidjam 1. Je pense que je vais faire directement le 2 et le 3. Comme ça, ce sera fait. En espérant que cette fois-ci, ça ne bug point. Et donc, salut à tous. C'était Monsieur Flash pour Sam Pidjam 1. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube et à me suivre sur Twitter. @MonsieurDetFlash. Donc salut à tous, c'était Monsieur Flash et à la prochaine.